Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quintet flash du jour ce mardi, direction l'hippodrome de Saint-Cloud. À l'occasion du prix du Val d'Or, on va évoluer sur 2400 mètres. Au départ, des compétiteurs qu'on connaît parfaitement dans cette catégorie. L'état du terrain aura son importance, bien évidemment, mais au papier, on a quand même quelques chevaux qui semblent assez solides, assez sûrs, et deux bases qui, elles, semblent vraiment en béton. Allez, on attaque nos bases avec le numéro 3, Sri Fanello Green, qui a gagné son quintet cet été à Dieppe. Il vient de se classer deuxième sur ce parcours et à ce niveau, à cette valeur sur sa lancée. Bien évidemment, il vise l'excellence. Le numéro 4, Bannon Rock, il a remporté son quintet cet été sur l'hippodrome de Deauville. Il vient de confirmer à cette valeur en se classant troisième sur cette piste. Il a encore son mot à dire. Je serais même tenté d'aller prendre ces deux-là et de les jouer en jumelé gagnant et placé sur theturf.fr. Attention, numéro 12, qui se nomme Bam Kalib, véritable métronome qui excelle sur la distance et qui s'est déjà illustré sur cette piste. Ce sera une première à cette valeur. Maintenant, je reste plutôt confiant. Du côté des opposants, le numéro 2, Nobody's, qui a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur. Il a déjà gagné sur la distance. Il a été supplémenté pour l'occasion. Autant dire que les ambitions sont là. Il peut tirer son épingle du jeu. Le numéro 8, Rue des Irlandais, qui compte 8 tentatives à ce niveau pour 3 accessites. Ses meilleures sorties ont été enregistrées sur plus court. Maintenant, elle se transcende véritablement sur l'hippodrome de Saint-Cloud, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. Le numéro 1, Mikado, qui a des titres à ce niveau, notamment un succès sur ce parcours, c'était en mars dernier. Il n'a plus de marge au poids, mais reste compétitif pour les belles places. Le coup de poker, ce sera le numéro 15, Moonwolf. Sans être un foudre de guerre, il n'est pas dénué de moyens. Il a maintenant deux courses dans les jambes et je pense qu'il a été préparé avec soin pour cette épreuve. Alors certes, il n'aura peut-être pas encore son terrain idéal puisque c'est un cheval qui aime le lourd. Mais d'entrée de jeu, moi je m'en méfie. J'ai la sensation qu'il est capable de venir un peu brouiller les pistes. Du côté des outsiders, le numéro 6, Blue Swan, plutôt décevant cette année, il vient de courir en progrès sur cette piste, il a déjà gagné sur le parcours décidé, il peut encore s'illustrer. Le numéro 7, Sam, qui a gagné son quintet sur ce parcours en juin dernier, alors pénalisé de 3 kilos, il n'a pas été véritablement en mesure de confirmer, raison pour laquelle je le mets un peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 5, Smile Maker, qui a gagné cet été à Deauville, mais qui a toujours échoué à ce niveau en 2 tentatives. Je le trouve un petit peu plus compétitif sur plus court. Malgré tout, c'est assez ouvert pour les places, raison pour laquelle je m'en méfie. Le numéro 11, Misak Miki, qui a déjà bien fait sur gazon, mais qui passe pour un véritable spécialiste de la PSF. Il est pris à sa valeur, raison pour laquelle je me dis, voilà, ça fait partie des chevaux qui sont capables de créer une belle surprise et de faire afficher une cote sympathique. Et enfin, le numéro 9, Breath of Fire, qui affiche 8 échecs en 8 sorties cette année. Vous allez me dire, bah, pourquoi on le retient? En plus, il tarde à recouvrer sa valeur d'antan. Maintenant, il est correctement traité au poids et à un moment ou un autre, il va refaire parler de lui. Raison pour laquelle je me dis pourquoi pas dès ce mardi. Attention, ça peut être sympathique à la cote. Les délaissés avec le 10 Totem, sa forme est sûre, mais je le préfère nettement sur les tracés de province et il est pris pour moi trop en valeur, raison pour laquelle je tente l'impasse sur ses chances. Le numéro 13, Art of Fusion, qui a toujours échoué à ce niveau et à Saint-Cloud, et Saint-Cloud, pardon, ne passe pas pour être son jardin surtout. Il reste pour moi un ton en dessous dans cette catégorie, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 14, Joey Up, qui est accrédité d'un bel été en province avec une victoire et deux accessites. Maintenant, il a pour moi montré ses limites à Paris, raison pour laquelle pas d'emballement, on l'écarte. Et enfin, le numéro 16, Master Power, excepté une troisième place à ce niveau à Deauville sur un 3200 mètres. Il a plutôt déçu dans cette catégorie. Il est limite au poids. Je le préfère de surcroît sur le sable, raison pour laquelle je préfère faire l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et vous rappeler que vous pouvez profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran, FlashTurf, pour ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 euros de bienvenue. C'est plutôt sympathique. Alors à vous de jouer.